Salut à toutes et à tous les amis, c'est Kero, comment allez-vous? Bah écoutez, ça va mieux qu'il y a une semaine, voilà, au Grand Prix d'Azerbaïdjan. Donc voilà, comme vous le savez, je vous retrouve pour le championnat de la WER F1 League saison 16, donc sur le jeu F1 2018, pour poursuivre ce championnat. Et aujourd'hui je vous retrouve pour le Grand Prix d'Espagne, donc la cinquième manche sur le circuit de Catalunya-Barcelona, voilà. Et donc ouais, il y a une semaine c'était le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Bah voilà, pour ceux qui l'auraient pas vu, je vous invite à cliquer sur le petit i en haut à droite. Voilà, vous aurez accès à ce Grand Prix, à la vidéo du Grand Prix, même si voilà, ça c'est vite terminé cette course au bout de 8 ou 9 tours, je sais plus. Donc voilà, je me suis pris le mur au niveau du château. Donc voilà, bah écoutez, là c'est de ma faute. Même si le début de la course, bah déjà ça m'avait pas mal énervé, voilà, tous ces accrochages. Déjà dès le départ, je me fais prendre en sandwich entre deux mecs. Heureusement, pas de casse, je m'en sors très très bien. Et ensuite, bah voilà, des dépassements assez limites de la part des autres pilotes, voilà. Donc c'est ça qui m'a énervé. Et puis du coup, je me suis un petit peu vengé sur le mec. Bon, c'est pas très très fair play de ma part, ça, voilà, je suis désolé de mon comportement sur la piste à ce moment-là, mais voilà, j'étais assez énervé. Donc bon, bah écoutez, c'est des choses qui arrivent, mais j'espère que ça ne se reproduira plus de mon côté. Voilà, désolé pour ceux que ça aurait un petit peu choqué. Et pour l'instant, bah, ce début de championnat de l'AWER qui se passe plutôt, enfin qui est assez compliqué, hein, voilà, 4 courses où je marque que 4 points ou 6 points, non 6 points je crois. Donc ouais, c'est assez compliqué ce début de championnat, et en espérant que bah, pour le reste j'arrive un petit peu à rapporter plus de points, ça serait bien, voilà. Et donc heureusement que dans un autre championnat, voilà, pour ceux qui suivent sur ma chaîne, pardon, le championnat de la GSC, ben heureusement que voilà, parce que j'avais fait aussi le Grand Prix d'Azerbaïdjan, heureusement ça s'est mieux passé. Donc si vous êtes intéressé par ce championnat, ben, je vous invite à suivre les vidéos là-dessus. Et du coup, avant de commencer ce Grand Prix d'Espagne, je vais vous montrer ce que ça donne au niveau du classement pilote et constructeur, parce que voilà, du coup vous n'avez pas eu le résultat de ce qui s'est passé au Grand Prix d'Azerbaïdjan, qui a gagné, combien de pilotes ont terminé. Donc je vais vous montrer ça tout de suite au niveau du classement pilote. Et c'est donc Tom qui avait remporté ce Grand Prix d'Azerbaïdjan, voilà, qui a terminé en tête, et donc qui est en tête au niveau du classement pilote avec 76 points. Deuxième, Ferrari 3, donc c'est Alonso Ferrari, qui a terminé du coup aussi également deuxième, voilà, en Azerbaïdjan, et il a 61 points. Troisième, Josh Emmins, donc Jemmins qui a abandonné durant la course, donc comme moi, voilà, durant ce Grand Prix d'Azerbaïdjan, mais il est troisième au championnat pilote avec 50 points. Et donc après, voilà, vous avez le reste du classement. Et donc celui qui avait terminé troisième, c'est Sims, voilà, troisième donc sur le podium. Et quatrième, c'était Auer Andrews, et ils ont terminé la course qu'à 4, vous le voyez, alors que Five Blue est marqué disqualifié. Donc je sais pas s'il a terminé la course ou quoi, enfin je ne pense pas, mais voilà, ils ont terminé qu'à 4 la course. Et écoutez, ça c'est, ouais, ça s'est plutôt mal passé pour tout le monde, à part pour les, voilà, ceux qui ont terminé la course, donc les 4 là. Mais ouais, c'était une course, bah écoutez, sans beaucoup de pilotes à l'arrivée, donc voilà. Bah écoutez, moi voilà, je me retrouve 10e du classement pilote avec, comme je vous l'ai dit, 6 points. Donc voilà, et ouais, on n'est plus que 15, vous le voyez, au niveau du classement pilote, que 15 pilotes qui restent, même si mon coéquipier, je pense qu'il va vite jarter, parce que ça va faire 2 courses, on n'a plus de nouvelles de lui. Donc je sais pas ce qu'il fait, est-ce qu'il va revenir au championnat ou quoi. Mais ouais, c'est vrai que pour l'instant, au niveau de ma poule, et ben écoutez, pas beaucoup de pilotes, ça fait un petit peu chier, et j'espère qu'il y en a d'autres qui vont arriver en cours de route, parce que là, faire des courses à 12, 13 à chaque fois, c'est chiant, quoi, enfin voilà. Ensuite, au niveau du classement constructeur, c'est Mercedes qui est en tête avec 126 points. Deuxième, Sauber 70. Troisième, Ferrari avec 65 points. Donc pour l'instant, Mercedes qui a une assez bonne avance, hein, vous voyez, sur Sauber. Quatrième, Williams 42 points. Cinquième, Haas avec 22 points. Sixième, Renault 14 points. Septième, Force India avec 6 points. À égalité avec nous, McLaren, voilà. Enfin avec moi plutôt, parce que l'autre, je vais commencer à plus le compter, voilà, parce qu'il est plus, il fait plus vraiment les courses. Donc McLaren a 6 points, 9e Toro Rosso 1 point, et 10e Red Bull qui n'a toujours pas marqué de points, voilà. Donc qui se retrouve dernière avec 0 points. Allez, cette fois-ci les amis, on est parti. Déjà les qualifications, mon meilleur tour. Et ensuite, vous aurez la course, les meilleurs passages de cette course en Espagne, qui j'espère va bien se passer. J'espère que j'aurai une bonne stratégie au niveau des gommes. Là, pour l'instant, je ne sais pas trop quelle stratégie, enfin au moment où je vous parle, je ne sais pas quelle stratégie je vais adopter pour le moment. Donc, à voir durant la course. Et puis, ça se trouve, il y aura peut-être de la pluie, hein, je ne sais pas, on verra.
Et ensuite, je vous ferai le débriefing de ce qui s'est passé sur cette course en espérant cette fois-ci rentrer dans les points, marquer des gros points, je le souhaite. Et donc, c'est parti les amis, installez-vous bien, préparez-vous de quoi boire, de quoi manger, et c'est parti! Attention, l'adhérence risque de diminuer dans pas longtemps. On réfléchit à une stratégie viable que nous aimerions utiliser. Tu souhaites continuer sur ta lancée? On change. Oh.
votre retard sur la voiture de devant est de 10,8 secondes. On va activer l'URS et consommer une partie de l'énergie récupérée. C'est bon, tu peux partir. On va encore faire un arrêt. Il nous reste encore un arrêt aujourd'hui selon notre stratégie. Inutile de s'inquiéter de leur niveau d'usure. Une pénalité pour cet incident. De la fenêtre d'arrêt au stand, tu chausseras des médiums. C'est bon, vas-y. Fin de notre stratégie pour l'instant. Tâche de conserver ses coffres jusqu'au bout. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour.
Les voilà qui montent sur le podium, et quel que soit le circuit de la planète, les drapeaux flanqués du cheval cabré sont légion dans les tribunes. Aujourd'hui encore, ils sont de sortie, car c'est Ferrari qui s'impose une nouvelle fois. Bon ben les courses se suivent et se ressemblent les amis, hein, même si bon là voilà je termine la course, voilà je termine 7e dans les points sur 8 pilotes à l'arrivée, ouais super youpi. Non mais sérieux quoi, c'est bon ça me gonfle quoi. Là c'est une réaction à chaud donc ne tenez pas vraiment compte à 100% de ce que je vais vous dire là, mais là comme ça à chaud j'ai envie d'arrêter ce championnat, je vous le dis, voilà. J'ai envie de l'arrêter parce que bon c'est bon quoi, toutes les courses me faire pousser, me foutre dans le mur, là le mec qui insiste et tout, qui derrière me tape par l'arrière une fois que j'ai dépassé, et voilà, du coup je pars en tête à queue sur la piste, je reviens, il y a un mec qui monte dedans, du coup ouais, je peux rien faire, voilà je suis sur la piste et tout, donc bon. Ouais, ça me gonfle quoi, alors qu'il y avait peut-être quelque chose à faire, enfin bref, enfin bon, j'avais peut-être pas vraiment le rythme sur cette piste, j'aurais peut-être pu aller terminer quoi, 5e, 6e sur les 8, donc là je termine 7e grâce au pénat du mec qui était juste devant moi, voilà, sinon j'aurais terminé 8e à la régulière, mais donc voilà, peut-être que j'aurais terminé 5e voire 6e, donc bon, mais bon voilà, ça me saoule quoi, toutes les courses je me fais enculer et tout, donc voilà, désolé du terme et tout, mais bon c'est ça hein, quoi, c'est toutes les courses quoi, c'est pareil, même si celle d'avant Azerbaïdjan, bon la dernière action voilà c'est de ma faute parce que ça j'étais sous le coup de l'énervement et tout, du coup le mec j'ai un petit peu poussé dans le mur et tout, mais là je vois pas en quoi c'est ma faute. Bon certes j'insiste un petit peu à l'extérieur et tout, mais bon le mec lui aussi il insiste et tout, et puis par derrière il me pousse et du coup voilà je pars en tête à queue, enfin bref. Sinon bah pour revenir au niveau des qualifications, bah ça aussi déjà rien qu'aux qualifications, déjà ça partait mal, déjà rien que les qualifs. Donc vous avez vu que j'ai pas activé le DRS, pourquoi? Bah parce que je pouvais pas l'utiliser, voilà mon ingénieur qui me dit que le DRS n'est pas disponible, qu'il y a un souci, et malgré ça j'arrive quand même à améliorer mon temps d'avant que j'avais fait avec le DRS. Bon j'améliore pas de grand chose, je crois un dixième ou deux dixièmes de mieux, mais si j'avais eu le DRS bah, j'aurais peut-être pu améliorer de 3, 4, voire 5 dixièmes, je sais pas, mais voilà, ça déjà rien que les qualifications ça partait mal. Ensuite départ de la course assez prudent je trouve. Et puis après bah voilà il s'est passé ce qui s'est passé avec Cheesy Train là, je sais pas quoi. Donc voilà et du coup bah après. Après voilà je me retrouvais dernier, voilà, et puis bon après course tout seul derrière. À un moment je me suis un petit peu bagarré avec l'autre là, celui qui avait eu un souci, un Azerbaïdjan Phoenix légende. Donc voilà qui m'a dépassé, ensuite j'ai réussi à le recroiser et tout, donc c'était une belle action, mais bon après voilà il avait des pneus neufs, il a réussi à me repasser. Et ensuite il a eu un souci, je crois il a abandonné, donc je sais pas si c'est pris un mur ou s'il a rage quitte, enfin je sais pas. Mais bon voilà pour vous dire sur cette course, en espérant bah, que demain au championnat de la GSC ça ira mieux ici en Espagne, voilà avec la Ferrari. Donc j'espère un meilleur résultat, on verra. Donc bah écoutez, je vous donne rendez-vous peut-être, je sais pas encore là au moment où je vous parle, là j'ai envie d'arrêter, comme c'est à chaud et tout. Mais ouais je sais pas, peut-être rendez-vous dans une semaine, et si dans une semaine vous voyez qu'il n'y a pas de course et tout, ça voudra dire que voilà c'est bon, ça m'a gonflé et tout. Mais bon la semaine prochaine c'est Monaco, donc Monaco j'aimerais bien la faire et tout. Mais bon avec les Anglais à mon avis ça va être du vite vite vu à Monaco. Enfin on verra, on n'y est pas encore. Mais voilà, donc rendez-vous normalement dans une semaine les amis, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos pouces bleus sur cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît. Et donc rendez-vous demain pour le Grand Prix d'Espagne, une nouvelle fois au championnat de la GSC, où j'espère ben, faire un meilleur résultat. Voilà. Allez, portez-vous bien, passez une bonne journée ou une bonne soirée, et on se dit donc à très vite les amis. Salut.